Allô? Salut Marc. Salut Nicolas, tu vas bien? Je fais avec le haut-parleur ou tu veux que j'ai le téléphone à l'oreille? Comme tu veux. Bon, je vais rester avec le haut-parleur. C'est toi qui donnes le top. C'est bon là, ça marche? 1, 2, 3, 4, 5. Écoute, ça va. Alors, depuis le début du confinement, j'ai eu les 80 personnes qui composent la vie de l'équipe. Au moins une fois. Et là, je vais refaire un deuxième tour de manège, j'appelle ça un peu comme ça. J'espère qu'ils ont besoin de moi, et moi j'ai aussi besoin de les entendre. J'ai besoin de la vie de l'équipe, c'est important. Je me fais engueuler par ma femme parce qu'elle dit que tu parles pas assez de ta famille. Non. Mais je suis bien à la maison. Toi, allez, on va s'engueuler. Là, voilà. Si on veut sortir fort de la période qu'on connaît en ce moment, il faut s'y préparer. Donc, l'équipe, elle a une histoire, elle a vécu. Et dans les moments difficiles comme maintenant, ben ça compte, ça sert, c'est utile. Et puis j'ai aussi pu mesurer l'attachement des coureurs et l'attachement de l'encadrement à l'équipe. Je ne peux pas m'étendre là maintenant sur ça, mais je les sens impliqués et engagés. J'ai très envie d'être à la première course qui va redémarrer. Ben, si tu veux. Non, l'adrénaline ne me manque pas pour le moment parce que je sais que je vais la retrouver. Allez, mon grand! Allez, petit, allez! C'est bien, allez! En termes professionnels, après, au niveau du confinement en tant que tel, c'est d'aller à Renazé voir ma mère. Ce qui a été surprenant, c'est du jour au lendemain, on a appuyé sur stop. Une espèce de peur du vide. C'est un peu comme dans une course de vélo, t'es coureur, et qu'à un moment, tu tombes. Quand t'es courant, tu sens si tu t'es fait très mal ou pas trop mal, ou tu t'es juste éraflé. L'instinct, c'est tu reprends ton vélo, tu cherches ton vélo, tu reprends ton vélo, tu regardes si ton vélo n'est pas abîmé, et s'il n'est pas abîmé, tu repars tout de suite pour rentrer dans le peloton. Ben là, c'est un peu pareil. Le confinement, ça a été la chute. On regarde tout de suite si on n'est pas trop amoché, pas trop blessé, et tout de suite, je remonte sur le vélo. Et donc là, but du jeu, je ne suis pas encore rentré dans les roues, donc on s'accroche les bretelles pour rentrer dans les roues du peloton. Non, c'est pas secondaire le sport. On n'a jamais vu autant de joggeurs sur les trottoirs. Le tour, c'est un point de repère dans le calendrier des gens. Le mois de juillet, que t'aimes ou que t'aimes pas le tour, que t'aimes ou que t'aimes pas le vélo, tu suis ce qui se passe. Même si tu suis ça de loin, même si t'es pas un fan absolu de vélo, au mois de juillet, tu sais que c'est le Tour de France. Tu sais que c'est des vacances qui commencent à s'installer, et puis que c'est une certaine. Ouais, tu pars en voyage. Tout va redémarrer. Parce que c'est la vie et on est en vie et on veut vivre et on va vivre. Accrochez-vous, ça va le faire. On va passer le col. Voilà, on est dans le mur, on est dans du 10-15%. De l'autre côté, on va basculer et ça va être top. Ouais!